suis issue d'une formation qui alliait transport et environnement. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon alternance durant mes deux dernières années dans une exploitation. Donc du coup, j'ai décidé lors de mon premier poste de postuler chez SOA. J'ai eu le poste et au bout d'un an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur des fonctions de responsable d'exploitation au Mans. Je m'occupe d'encadrer une équipe de chauffeurs opérateurs pour tout ce qui va être prestations d'assainissement et de la collecte de déchets dangereux vrac ou conditionnés. On a aussi un encadrement du niveau administratif, donc une équipe du coup qui est dans les bureaux. Et je gère aussi également une équipe, un atelier qui s'appelle la THP, donc le service très haute pression. C'est une petite particularité chez nous au Mans. On est les seuls à faire ça, on nettoie des conteneurs issus de l'industrie automobile. Ce qui me plaît le plus, c'est que j'arrive le matin et que je ne sais pas de quoi ma journée va être faite. C'est vraiment riche et varié, donc on sait que notre journée ne va pas ressembler à celle du lendemain, on ne s'ennuie pas et on apprend surtout tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment sympathique. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on reste un grand groupe, mais au filiel, on est vraiment une PME en fait, au service de nos clients sur la région. Je suis fière du coup d'avoir intégré les équipes du Mans. En tant que chargée d'affaires au départ, c'est pas facile de se faire accepter en tant que femme déjà dans ce métier-là, et ils ont été très ouverts à ma venue, et c'est vraiment agréable.